Venez voir, je vais te montrer, man. J'écoute les extraterrestres, moi, le soir, j'ai un deuxième job. Ah ouais? Ouais. Là, j'étais en train de réparer ça, là, j'ai sorti mon pipe wrench. Ou ma clé à molette, plutôt, j'étais mieux. Attends, suis-moi, ouais. Là, j'étais en train de réparer ça, c'est tout pété, ça. C'est tout niqué, c'était mieux. Comme niqué des mers, mais là, c'est mon satellite qui est niqué. Ah oui, d'accord. Ouais, mais là c'est ça. T'as-tu amené une clé 16, toi, Guillo? T'as-tu une clé 16? Non, t'as pas de clé 16. Tabarnak. Alright, ben, je vais continuer de réparer ça. Qu'est-ce qui prend lui là-haut? Ben là, j'écoute les extraterrestres, moi, la nuit. It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. Une petite bosse du corps. Laisse-toi que je fasse des petits jobs pour lui, tabarnak. Quand t'es année, t'as ce jeu-là, moi. Crissez mon camp de là. Va dans le truck, va dans le char, va faire ici. Débarre, amène-moi là-bas. Allons, hein. Du coup, je peux pas, connard. Oh, elles sont où ces tomates? Deux. Comment, on en a pas rien que deux. Tomates, 204. Bim. Et voilà, c'est bon. Hey! Non, non! Oh, va dans le char, va faire ici. Oh, merde. Eh, merde. C'est bizarre. Eh, merde, patron, vous me croirez jamais. De quoi, toi? J'étais en train de prendre les tomates dans les SUV. Ouais. Elle a disparu, là. Non, pas le SUV, mais ma voiture. Je me retourne, bim! Les extraterrestres ont kidnappé ma voiture. Je sais que c'est pas un petit voyou qui habite ici à Los Santos ou à Blaine County. C'est sûr, mais les extraterrestres, moi, je sais pas. Regarde, localise. Ah, d'accord, ouais. Comment encore? Ouais, ok, je vais voir. La gestion de la véhicule. Il regarde où il est à 5600 mètres. Ah ouais! 5000, c'est là où t'habites. Ouais, c'est là que j'habite. Bon, ben, si tu demandes, hein, j'habite à 5600 mètres. À 5,6 km. Ah, mais attends. Ou pour les mecs de Los Santos, j'habite à 5,6 bornes. Ah, mais là, de toute façon, avec ta voiture à toi, t'es venu avec la voiture du patron. Ouais, non, c'est pas vrai, hein. Je suis pas venu avec la voiture du patron, j'avais loué une caisse à la mine. Et ça, depuis le début, quand t'es arrivé, t'aurais dû voir que ma bagnole, elle était en arrière de chez toi. Ah, ça fait un bout qu'elle est là. Quand je commence à travailler, je viens mettre ma bagnole ici, je m'en vais à pied. Attends, à la mine. Ta caisse, c'est celle avec. C'est pas celle. Avec le toit. Oui, le toit blanc. Ouais, c'est pas. Le truc blanc, là. Mm-hmm. Ah, tu as customisé tout à l'heure, alors. Hier, ça m'a coûté cher, c'est ça, j'ai tout perdu, moi, j'ai pas... Ah, mais faut que tu me préviennes, toi, des fois, parce que je crois que là, en fait... Qu'est-ce que t'as fait, t'as fouillé dedans, mon esti? Non. Arrête, non, Alex, non. Come on! Attends, viens, j'ai un couteau sous moi, là. Viens, ça, que je te... Que je sais quoi? Qu'est-ce qu'il veut, boss? Y'a pas... Ouais, hey, boss, tu sors avec moi? Oui. Ah, parce qu'il y a un truc. Est-ce que des fois ta voiture. Ouais, mets-la derrière si tu préfères. Parce ouais, que... je préfère la mettre là quand je vais travailler, non. Mais je veux pas la garer là. Non, tu la laisses pas devant ici là. Pas devant, je la mets toujours derrière. Non, c'est comme ta femme, je la prends puis non. Je la mets derrière. Non, toi je vais t'en couler une fois. Je déconne, tu sais, Alex. Non, parce que je crois que la fois ta voiture elle est restée ici. Ouais, la première fois que je suis venu, j'ai laissé ma voiture ici. Et la deuxième fois que je suis venu, je me suis dit que c'était plus sérieux de la mettre derrière.
Ouais, mets là derrière si tu veux. Comme la voiture du patron, je la mets là. Tu vois, personne vient voir en arrière. Ouais, mais Regarde, la mienne, je l'avais mis ici, là. Ouais, quand c'est comme ça, prévenez-moi, hein, les gars, tu sais pourquoi? Bah, je te l'ai dit tantôt, je sais pas si tu m'écoutes. Non, ouais, mais prévenez-moi, parce que moi, la dernière fois, j'avais une voiture, et j'étais tout seul en ville. Je te dis la vérité, hein. Ah, t'as essayé de me la niquer, espèce d'enculé. Je savais, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ben ouais, ben c'est pas grave. Non, parce que si tu me préviens pas, je connais pas la voiture. Ouais, mais t'as pas réussi, hein, du coup. Si, ce que j'ai attendu. Attends, Ah, t'as attendu quoi? Que t'as réussi à défoncer ma caisse? Attends, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Putain, tellement que je suis emboulé, mon gars. Eh, tu sais que j'ai ma GoPro, hein. Ouais. Eh, toi, je vais te taper avec ta GoPro, éteins-la. Ah, ben là, mon vieux, c'est intéressant, là, c'est croustillant. Non, je te jure, c'est un truc de ouf. Allez, vas-y. Moi, j'ai hâte de... Non, vas-y, j'ai hâte de parler, toi. Non, ok, d'accord, je l'arrête pour vrai. Vas-y, regarde-moi la face, c'est gros, tu l'air de quelqu'un de... Tu peux me truster, check oui. Tout le monde me fait confiance. Bah oui, pourquoi on te fait pas confiance? Ah, pourquoi qu'il capote, lui? Il a peur de quoi? Il a peur le de gars que je livre. Ouais? Le gars que je livre, ce que tu préfères, c'est un gars qui est très haut placé et normalement qui devrait pas toucher à ça. Ok, mettons, il est haut placé, toi tu parles, gros, il est ben haut, il est monté d'une échelle, c'est ça? Ouais. Il est haut, mais tu le connaîtras, je te ferai présenter, y a pas de souci. Mais par contre, ouais. Ça okay. Sera, tu te zappes mieux que ça. Hein. Okay, moi j'en veux pas des gens comme ça, habillés comme ça, tu te zappes bien. Ok, faut que j'aille dans la classe. Je te demande pas d'être en costard et tout comme ça, mais tu te mets classe. Je pensais que j'avais déjà la classe, et gros ça c'est swag qu'on dit, swag. Non mais là c'est pas le swag pour vendre là, tu vois. Ouais, c'est là, trop c'est swag. Pas mon même swag. Ouais, d'accord. C'est pas mon même swag là. Ben nos problèmes au patron. Voilà. Après je te dis, au pire si je te fais... Si tu me donnes vraiment bien ta confiance, hein, après tu pourras évoluer très très vite. Là déjà, là tu te plains pas parce que déjà t'es arrivé chez moi. Ouais, il y en a beaucoup qui n'ont pas fait ça. Ouais, ben, hein, je suis chanceux. C'est quoi, t'es qui toi? Ouais, t'es chanceux. Ah, hein. Oh, Damien, excuse, viens, hein, excuse. Ouais. Ouvre la poudre, hein, c'est. Ouh! Ok, bon, ben c'est cool. Tu t'en vas livrer quoi? Drette là? Ouais, je attends, j'attends son coup de fil, j'ai envoyé un message, j'attends si qu'il me répond. Alright. S'il me répond pas, faut que je voie pour mes rendez-vous que j'ai raté ce matin. Putain de merde. Ouais, une chance, je suis venu te réveiller, hein? Un boss? C'est bien un employé qui vient voir son boss pour le réveiller quand il passe tout droit. Cadran n'a pas sonné, quoi. Non, mais c'est la salle de bain qui m'a fait mal à l'aise. La couleur, c'est bon, ma femme, elle me gonfle. Elle a changé cette couleur. Ça me plaît pas du tout. Oui, tabarnak, t'es gros, sacrément, je te crée là, ça fait dur à l'estime. Mais tu sais, en même temps, regarde ta femme, mon vieux, je me dis que ça coïncide. désolé. Bon, comme je t'ai dit là, continue comme ça là. Tu feras la bonne place. Ben, yes sir, boss. M'en va travailler un petit peu, je pense. M'en aller monter mon char, là, mettre un petit peu de performance, puis m'en aller travailler un peu. Ok, y'a pas de souci. Je te laisse faire tes trucs. Ok, mais de toute façon, si j'ai besoin. Lâche mon équipement, si c'est bon. Et la prochaine, il le fera avec moi. Ouais, je vais essayer de te ramener l'employé avant même. Ouais, mais on verra. C'est tout. Yeah.
Quoi d'enregistrer, si.